Grégoire, ouais, vous êtes l'entraîneur de Fantasia Love. Fantasia qui vient d'effectuer une course de rentrée à Reims, enfin en tout cas une semi-rentrée, elle a dû pleinement vous satisfaire. Ouais, complètement. La jument a eu des petits soucis de santé. Pas mal de santé avant cette course. Et elle était qu'à 80%, mais la course était bonne. Qu'est-ce qui vous incite beaucoup à courir à droite avec elle? Est-ce que là, ça vous inquiète de revenir à gauche? Non, non, non. Quand elle est en pleine forme, c'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Là, voilà, c'est un bon engagement. Elle a des bonnes courses à venir après, mais bon, voilà. Là, c'est que des femelles. L'inconvénient, c'est la jeunesse. Mais bon, voilà, c'est sa distance. Bon, les clients voulaient se faire plaisir, donc on réessaye une fois. Bon, elle peut se glisser à l'arrivée. C'est une jument quand même très sérieuse. Hein. Depuis un an, on peut pas lui reprocher grand-chose. Non, non, non. Quand la santé est en rendez-vous et comme elle a l'air de l'être en ce moment, c'est une jument qui est sérieuse et généreuse et alors qui est agréable. Donc dès lors, pour les parieurs, ils peuvent la glisser à l'arrivée sans trop de problèmes. Logiquement, l'issue d'un bon parcours, elle doit pouvoir rentrer dans le quinte.